les îles Canaries, c'est super joli, le cadre idéal pour tester une nouvelle moto. D'ailleurs, retrouvons maintenant notre essayeur Mehdi. Mehdi, tu fais quoi là? T'es pas encore au guidon? Non, je m'interroge en fait, quoi. Rossi de Palma, par exemple, c'est pas Monica Bellucci, elle a un physique particulier, pourtant les Gérides d'Almodovar, c'est juste une super actrice. Lui, Boudère, l'ami Boudère, bon, lui aussi, il a un physique un petit peu atypique, pourtant, c'est un super bon comique. Et alors lui, là, ce dernier, là, en plus, il est vert, il est petit, il est moche, mais c'est quand même un maître Jedi. Alors, du coup, maintenant, elle, est-ce qu'il faut s'arrêter à son apparence un petit peu particulière? J'en doute. On va aller voir ça maintenant. La troisième génération de la Versys 1000 présente un look un peu à part, c'est indéniable. En même temps, ce n'est pas la première fois que Kawasaki propose un style tranché, et ici cette proue offre d'autres avantages. Bon, c'est bien ce que je pensais, faut pas s'arrêter à son physique, parce que franchement cette nouvelle Versys, elle est super sympa. Déjà, faut bien avouer que la redéfinition là de sa face avant, ça a conditionné une nouvelle protection. Je trouve qu'on est mieux protégé au niveau du buste, au niveau des jambes, au niveau des pieds. On est encore un petit peu exposé, mais bon, en même temps, c'est pas une GTR. La bulle que j'ai là sur ma version SE, elle est bien large. Elle monte assez haut. Je trouve qu'il en manque, allez, peut-être 1 ou 2 cm. Je fais 1m83. Donc je ressens encore un petit peu la pression de l'air sur le haut du casque. Et puis j'ai aussi les mains qui sont protégées sur cette version SE qui dispose de protège-mains. Ceci explique cela. Et puis bien évidemment, il y a ces suspensions électroniques qui réagissent. Alors, selon les modes de conduite, on a sport, road ou rain. En rain, on est très souple. En sport, on est un peu plus dur. Et road, c'est l'intermédiaire. Et elle fonctionne également en fonction de la nouvelle centrale IMU, justement, qui fait qu'on a aussi des réglages qui prennent en compte l'inclinaison de la machine. Je vous rappelle aussi que la centrale IMU prend en compte le freinage sur l'angle, mais pas le traction control. Pour moi, le meilleur mode, c'est le mode road, et je trouve qu'elles apportent vraiment du confort. On a moins de roulis, en fait, on va moins plonger au moment des freinages, la moto va moins se tasser au moment où on accélère. Par contre, si on se met en mode sport, on va avoir quelque chose qui est un petit peu plus dur, je trouve, sur l'arrière, avec peut-être un petit peu plus de plongée sur les freinages appuyés. Je trouve qu'il y a vraiment un toucher de route qui est ultra convaincant. Les réactions des suspensions sont super saines. Elle est vive, hein. Elle est vive. Pourtant, elle fait plus de 250 kg, la mémère. Moi, je lui trouve vraiment un tempérament sportif que j'adore. C'est top, le truc. C'est vraiment top. Aussi haute sur pattes soit-elle, une moto sportive se doit d'avoir un moteur à la hauteur. Ici, on retrouve le 4 cylindres de 1043 cm3 chez Rakawa. Un bloc qui développe les 120 chevaux à 9000 tours et une valeur de couple maxi de 102 Nm obtenue à 7500 tours. Ça envoie vraiment, il est très performant, mais comme la poignée est très intuitive et qu'on la gère très facilement, et ben c'est au bon vouloir du pilote s'il veut rouler cool ou si d'un seul coup il pète un petit boulard, ça répond ok, no problemo. Et puis ce moteur, il est d'une souplesse incroyable. On peut descendre à 1500 tours minute sans que le bougre rechigne à repartir. Bon, c'est sûr, faut pas ouvrir comme un gorille, on a des petites coupures. Mais dans l'ensemble, c'est quand même super sympa. Je peux rouler en ville en 6e à 50 km/h. Après ce moteur, on trouve qu'il a vraiment la patate en première, en deuxième, en troisième, en quatrième encore. En cinquième, on l'a trouvé un petit creux entre 4 et 5000 tours. Mais bon. Il a de la longe, hein. Il a un beau bruit de boîte à air aussi. Et puis il y a ce que j'aime chez les 4 cylindres, il y a un bon frein moteur. Et puis elle est joueuse là sur ma version SE de série. On a un quick shifter qui fonctionne à la montée et à la descente. Et il est d'une douceur incroyable ce truc. Comme
quand on ne s'en sert pas, je trouve, la boîte Kawa, elle prête difficilement le flanc à la critique. Bon, le freinage à l'avant a évolué vers quelque chose d'encore un petit peu plus pointu, avec les étriers monoblocs à 4 pistons, et puis ils sont quand même actionnés via un mètre cylindre à fixation radiale. Les étriers monoblocs sont aussi à fixation radiale, ce qui fait qu'on a un peu un freinage de roster sportif, hein, on est à l'avant, et ça c'est pas désagréable quand on commence justement à la chahuter, c'est même carrément bien. Bon, en revanche, je n'aime pas le feeling à la pédale du frein arrière, et je trouve qu'il manque un petit peu de consistance en cet étrier à simple piston. Bon bah voilà, c'est peut-être pas la plus jolie de la production, mais franchement, moi, elle m'a apporté un max de plaisir, que ce soit en mode balade ou en mode déconnexion du cerveau, en mode motard pur et dur. Mais on n'en attendait pas moins. On sait que c'est quand même les Versys, ça a toujours été des motos atypiques, de par leur positionnement trail avec ce gros 4 cylindres. Mais finalement, ce sont des roadsters rehaussés. Moi, je trouve, à l'instar d'une Tiger Sport chez Triumph, voire d'une Tracer 900. Moi, je sais pas si je vieillis, les gars, mais je commence vraiment à apprécier ce genre de bécane. Mais par contre, elle est pas donnée. Elle est pas donnée. Bon, après, c'est vrai que cette version SE, elle est quand même super bien équipée. Certes, mais à 16 899 euros, ce nouveau haut de gamme Versys entre en concurrence avec la fameuse allemande leader du marché MaxiTrail. Cela fait réfléchir. D'autant plus que la bavaroise a le potentiel pour s'aventurer hors des sentiers battus. Mais ce que perd cette Versys dans le registre, elle le gagne indiscutablement sur la route.